regardé la vidéo que j'ai fait avant ça, on a rappelé que j'ai parlé de digitalisation ou bien numérisation, en anglais scan. Un document digital est facile pour distribuer et n'est pas coûté comme devant copie ou impression. Il y a différentes façons de numériser un document. Je dis, nous avons une façon qui a intéressé tout le monde, les gens qui sont en archivage ou les gens qui travaillent en groupe professionnel. Nous avons un document physique ça, que nous avons gardé là. Je prends un document, ça, je prends le numériser et faire tomber sur un dossier électronique. Dossier électronique, ça, il est sous serveur institutionnel, sous ordinateur ou bien sous laptop. Nous prenons et numériser. Xerox est le processus ça, scan to folder. Ça veut dire numérisation vers dossier. Et nous comprenons, depuis que nous parlons de dossier, nous parlons de archivage tout. Tout à l'heure, nous parlons ça. Comme nous connaissons, Xerox a plusieurs équipements qui permettent de gérer les documents. C'est pour ça que nous allons numériser les documents que nous souhaitons à l'heure sous deux équipements différents. Eh bien, une a été faite sur un B1025 multifonction et l'autre a été faite sur un Versalin. Pour nous commencer, nous allons commencer à B1025 multifonction. Nous allons aller dans Scan tout. Donc choisir non. Pour mettre un scanner document non en recto verso. Output color. Et on a pris les documents noirs B1025. Ok, on a scanné. Vérifier sur le répertoire électronique, est-ce que le document noir est limité? Exact, le document est limité sur le dossier électronique. Nous allons l'ouvrir le document. Ça nous est. Ça c'est sous B1025 que nous sommes scannés. Nous allons numériser documents sous équipement que nous avons plus aimé, qui est un Versalin. Eh bien, sorti depuis un petit Versalin pour arriver dans un gros Versalin, tout servi même gens. Je n'ai pas regardé dans l'image, tout Versalin qui sont servi même gens. Que le sorti dans petit pour arriver dans gros. Nous allons scanner. Avec Xerox c'est sécurité, ça veut dire pour que nous accédions à la machine, nous sommes obligés d'authentifier, il faut un code d'accès pour nous accéder à elle. Nous allons aller dans Scan tout. Ok, si son document sérieux n'a pas scanné, nous c'est professionnel, eh bien n'a numérisé document en PDF retrouvable. PDF retrouvable, lui permet que la machine li scanne ou bien li numérise contenu document, ça va permettre que dans le dossier électronique,
ou facile qu'à retrouver document ça, soit à partir de un mot qui était dans le titre là, ou bien dans le contenu document, facilement ou qu'à retrouver document ça. Eh bien, on a activé l'option PDF retrouvable. Ou même encore qui c'est professionnel et que ou bien document confidentiel que ou a numérisé ou bien pour archiver et que ou ta vle, c'est moun qui gen mot de passe document qui capable accéder avec pour capable voir contenu document. C'est pour ça nous ka log document côté que nous ka mettre yon password qui a permettre que c'est moun qui gen password ça qui a capable li contenu document. Quand nous finissons d'activer l'option PDF searchable, nous retrouvable et puis nous mettons password sur le document, nous disons OK. Ensuite, c'est l'option que je pire bien que je parle, qui fait que je vais vers ça à l'écran, c'est l'option preview. On vérifie comment nous activer preview. Je m'active et tout à l'heure, je vais retourner pour montrer pour qui ça que je vais option ça qui c'est preview. Dans mes documents, nous recto verso gens que nous avons fait sur B1025 tout à l'heure pour nous faire la différence tout à l'heure. Ensuite, nous avons retiré la page blanche. Et, j'en ai gardé là, c'est verso à l'écran qui bat nous. Option, ça à côté que lorsque nous numérisons un document recto verso, nous avons tout fait pour retirer la page blanche pour nous. Très important. Quand nous avons fait tous les paramètres, eh bien, nous allons faire ça pour les previews. Je vais mettre le document. Je vais faire review. Ok, mais pour qui ça que vous mettez, dis-nous que vous préférez vers ça, c'est une machine, pam. Pour nous, mes previews, mes amis, les bons m'ont aperçu avant même que vous voyez le document ça dans le dossier électronique. Eh bien, nous avons une page ça qui est en landscape, côté que dans l'option preview, les bonnes possibilités, nous avons tout rangé le document, gens que vous voulez. Ok? M'gon vu de document avant même qu'on y a moins fait envoi pour m'voyer sur serveur ou bien sur ordinateur ou bien sur laptop qui gagne dossier électronique là. On regarde ensemble document moins dérivé. On regarde ça qui c'est document que m'a été scanné sur ou bien numérisé sur B1025 là et que mes documents que m'a saute numérisé sur B1025 là n'a prouvé. J'en dis non, moi te mets ton password. Mon de passe là, lui permet que c'est monde qui connaît lui qui a accédé, qui a ouvert contenu document. N'a pas pris password là. Moi entre elle. Une fois que mon te password là, c'est lui ça me vient accepte qui a ouvert contenu document. Ok, mes documents me sont scannés sur vers ça l'écran. Ok, sinon songez moi j'étais sous B1025 multifonctionnel, moi j'étais scanné document là. Si n'a pas des contenus, c'est qui j'en que lié. Ok, mes premières pages parce que moi j'étais scanné recto verso et que il pas de gain option côté que moi j'étais qu'à retirer page blanche. Nouvelle en allant dans document que moi sous scanné ou bien numérisé sous vers avec moi côté que page blanche moi tout retiré. Eh bien mes amis, je conseille nous à la bas vidéo, à la section commentaire, dis-nous en deux équipements côté moi saute numérisé, qui équipement nous préférons et pour qui ça. Ensuite,
m'a conseillé nous abonner avec Channel 05 qui permet que nous gagnions des dernières vidéos et pas oublier consulter site web nous qui c'est 06-haïti.com côté que nous avons tout contact et poser questions que nous voulons. Ciao.